Salut, salut les amis, et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Et tout comme moi, j'espère que vous portez très très bien aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, porte sur quels sont les documents à préparer et comment se préparer pour une interview de visa, soit étudiant pour les États-Unis d'Amérique. Donc avant de commencer cette vidéo, proprement dit, je voudrais vous remercier pour tous qui avaient regardé et qui avaient commenté mes autres vidéos portant sur la procédure pour aller aux États-Unis. Donc si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, moi je m'appelle Jean Zepan, je travaille avec le groupe MAPI. Abonnez-vous maintenant, activez vos notifications et de cette façon, chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo en ligne, vous serez les premiers informés. Donc, lorsque vous voulez aller aux États-Unis pour étudier, voici les documents principaux que vous devez avoir. Donc, ces documents se classent, n'est-ce pas, en deux catégories. Il y a des documents obligatoires et il y a des documents facultatifs, qui sont des documents de soutien. Donc, je vais commencer par les documents obligatoires. Premier document que vous devez avoir, vous devez avoir votre passeport. Soit vous êtes sans ignorer que c'est impossible de voyager à l'étranger sans avoir le passeport. Donc, plus du passeport, vous devez avoir votre I-20, n'est-ce pas, qui est aussi communément appelé F-1 ou alors M-1 ou alors J-1 en fonction du type d'études que vous partez faire aux États-Unis. Et ce document vous est délivré, n'est-ce pas, par l'école. Vous devez, en plus du F-1 ou du I-20, vous devez avoir la lettre d'acceptation de l'école. Donc, l'école va vous envoyer une lettre d'acceptation et un I-20 que vous devez amener avec vous à l'interview de visa. Donc, en plus de ces documents-là, vous devez remplir le formulaire de demande de visa non immigrant en ligne qui s'appelle DS-160. Donc, si vous ne savez pas comment ça se passe, vous pouvez regarder une de mes vidéos de comment remplir le DS-160. Et je vais mettre le lien vers la vidéo en description, en bas de cette vidéo. Donc vous pouvez, n'est-ce pas, aller là-bas, vous saurez exactement comment remplir ce formulaire. Donc en plus de la page de confirmation de votre DS-160, vous devez aller sur le site du consulat de l'ambassade dans votre pays de résidence, n'est-ce pas, prendre rendez-vous. Et pour prendre rendez-vous, il y a des frais d'interview à payer. Ces frais d'interview sont de 160 $. D'accord, vous devez payer 160 $ pour les frais d'interview. Vous devez avoir le reçu, parce que c'est arrivé quelquefois ici au Cameroun, que vous arrivez à l'ambassade, on demande le reçu de paiement. Vous devez avoir le reçu, n'est-ce pas, pour confirmer qu'effectivement vous avez payé vos frais. Et également, vous devez avoir la page de confirmation de la demande d'interview. Donc, lorsque vous avez pris rendez-vous à l'ambassade, il y a une page d'instruction qui va s'afficher, il faut l'imprimer et vous devez l'avoir avec vous. Donc, en plus de cela, il y a des frais que tout étudiant étranger va payer au département, n'est-ce pas, de la sécurité locale aux États-Unis. Ces frais-là s'appellent SEVIS. On appelle ça le SEVIS et ça coûte 200 $. Donc, vous devez payer et imprimer la page de confirmation de paiement de votre SEVIS. Parce que c'est important. À l'ambassade, on va vous demander ça. Donc, à côté de ça, vous devez avoir les documents justifiant, n'est-ce pas, vos facultés financières. Donc, en gros, on appelle ça preuve financière. Les preuves financières, ça dépend de qui sponsorise votre voyage. Donc, si c'est vous-même, vous devez avoir votre relevé bancaire et obligatoirement une attestation du compte bancaire. Donc, si c'est quelqu'un d'autre qui vous sponsorise, c'est pareil, vous devez avoir le relevé bancaire de celui qui vous sponsorise et une attestation de compte bancaire de celui-là qui vous sponsorise. Donc, je crois, voilà les documents obligatoires que vous devez avoir. Donc, premier document obligatoire, c'est votre passeport, c'est votre pièce d'identité, n'est-ce pas, le passeport. Deuxième, I-20, qui vous est délivré par l'école. Troisième, lettre d'acceptation qui vous est délivrée par l'école. Quatrième, DS-160, que vous-même vous devez remplir en ligne. Cinquième, service fee, page de confirmation de paiement de service fee. N'est-ce pas, que vous-même vous devez remplir en ligne et aller payer. Si vous êtes au Cameroun, ça se paye dans toutes les agences NFC Bank. D'accord, NFC Bank, ils font cela. Et je crois qu'il y a d'autres agences, mais je connais pour NFC Bank parce que j'y ai été également. Donc, vous devez avoir la page de confirmation de paiement de service fee.
En plus de ça, vous devez avoir le reçu, n'est-ce pas, le paiement de vos frais d'interview. Vous devez avoir la page de confirmation de la demande d'interview. Et ça s'imprime, n'est-ce pas, du site du consulat de l'ambassade dans votre pays de résidence. Et enfin, vous devez avoir les preuves financières. Et comme j'ai dit, ça peut être relevé, votre relevé bancaire et votre attestation de compte ou alors celui qui vous sponsorise. Maintenant, à côté de ces documents-là, il y a des documents de soutien qui sont aussi importants. D'accord ? Et là, ça va varier de la personne qui demande le visa. Et ça va varier aussi de ce que vous partez étudier. Donc, parmi les documents de soutien, vous devez avoir votre diplôme qui vous donne accès à votre programme d'études. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, en fonction de votre programme, on peut vous demander, n'est-ce pas, un diplôme d'aptitude de langue. Ça peut être le TOEFL, ça peut être le IELTS ou alors tout autre diplôme. N'est-ce pas, on peut vous demander. Donc, si l'école vous a demandé le TOEFL, vous pouvez ajouter le TOEFL à votre liste de documents. Et également, attendez un peu. Ok, vous pouvez avoir également les pièces qui démontre les liens de parenté, n'est-ce pas, entre celui qui vous sponsorise et vous-même. D'accord, vous pouvez avoir des pièces comme ça. Ça peut être sa carte d'identité, une photo d'ensemble, je ne sais pas. Bref, vous pouvez, n'est-ce pas, ajouter à votre liste de documents des pièces qui justifient, n'est-ce pas, votre lien de familiarité si vous êtes sponsorisé par quelqu'un d'autre. Voilà, et en plus, ça va maintenant dépendre de votre âge. Et depuis quand vous avez obtenu votre dernier diplôme? Si vous avez obtenu votre diplôme depuis, ça veut dire entre-temps vous faites quelque chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites entre-temps? Donc si vous travaillez entre-temps, vous pouvez aussi ajouter vos payslips. En français on dit ça, bulletin de paie. Voilà, vous pouvez ajouter vos bulletins de paie, n'est-ce pas? Et pourquoi pas, vous pouvez aussi ajouter votre relevé bancaire pour quand même démontrer que entre temps vous travaillez et que vous-même vous avez cette incapacité financière, même si ce n'est pas vous qui vous êtes sponsorisé. Donc, ça c'est des documents supplémentaires. Attendez, je regarde si j'ai encore une. Il y a encore quoi. Bon, moi je crois en gros c'est ça. Déjà, il faut que vous sachiez que en matière de documentation, les États-Unis ne sont pas très compliqués. D'accord? Ils ne sont pas très compliqués. À vous demander tous les documents, non, ce n'est pas trop le truc. Donc, lorsque vous avez les documents obligatoires et vous ajoutez à ça les quelques documents de soutien, comme votre diplôme qui vous donne accès à votre programme d'études et comme des pièces qui justifient vos liens de familiarité avec celui qui vous sponsorise et peut-être vos bulletins de paie, bon, c'est suffisant. Mais maintenant, lorsque vous devez aller à l'interview, il faut vous préparer. N'est-ce pas? Il faut vous préparer. Et c'est tout un programme. Hein. Ici, au groupe MAPE, il y a tout un programme. On fait les cours de préparation et en fonction de la personne, ça peut aller jusqu'à 3 semaines. Donc, c'est entre 1 semaine et 3 semaines. Ça dépend de la personne. Donc ici, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques questions. Je vais essayer de vous donner quelques questions pour que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir une idée de ce qui vous attend. Donc déjà, lorsque vous voulez aller aux États-Unis, rassurez-vous, l'officier de visa voit en vous quelqu'un qui veut aller demeurer dans son pays. D'accord, vous savez, il y a beaucoup de demandes pour aller là-bas et ils ont très peu de visas. Donc, leur objectif, c'est de donner à celui qui, selon eux, est le plus méritant. Et vous savez bien qu'en matière de documents, tout le monde aura les documents requis. Mais maintenant, c'est comment est-ce que vous vous exprimez? Est-ce que vous êtes assez convaincant? Comment est-ce que vous parlez à l'officier de visa? C'est ça qui va faire la différence entre vous et les autres demandeurs de visa. Vous voyez un peu? Donc, il y a des questions vraiment incontournables qu'on doit vous poser. Ok, vous voulez aller aux États-Unis. Qu'est-ce que vous voulez partir faire là-bas? D'accord? Je vais aller étudier aux États-Unis. Vous
voulais aller étudier quoi? Je vais aller étudier peut-être, je vais aller faire informatique aux États-Unis. Dans votre pays de résidence, il y a obligatoirement, n'est-ce pas, des écoles d'informatique. Pourquoi vous voulez laisser vos écoles qui sont sur place pour aller faire une école d'informatique aux États-Unis? Donc, ils vont vous demander pourquoi avez-vous choisi d'aller fréquenter aux États-Unis au lieu de fréquenter sur place ou aller dans un autre pays. Vous devez être capable de répondre à cela de façon convaincante. Ils peuvent également vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi votre école. Donc, en plus de pourquoi avez-vous choisi les États-Unis, l'officier de visa peut vous demander pourquoi avez-vous choisi votre école. Donc, c'est pour cela que lorsque vous voulez aller étudier quelque part, apprenez à connaître l'école. C'est pas pour avoir des éléments, n'est-ce pas, donner à l'officier de visa que bon, voilà, j'ai choisi telle école par rapport à telle autre école, telle ou telle raison. Donc, en plus de ça, il va vous demander certainement pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aller faire informatique. Pourquoi n'êtes-vous pas allé aux États-Unis pour faire anglais, pour faire biologie, je ne sais pas quoi. Pourquoi avez-vous choisi informatique? Donc là également, vous devez avoir des éléments de réponse. Et également, question obligatoire. Donc également, voilà, il va vous demander, l'officier de visa va vous demander, ça peut être il ou elle. Quand je dis il, bon... Ça peut être il ou elle. Donc, l'officier de visa va vous demander quelles sont les preuves qu'après vos études, vous allez remplir. Parce que lorsque vous partez avec le visa étudiant, vous êtes supposé rentrer au maximum 60 jours après avoir fini vos études. Il va certainement vous demander quelles sont les preuves qu'après avoir fini vos études, vous allez rentrer dans votre pays. Donc, il faut avoir des éléments de réponse pour lui donner. Et en plus de ça, il va vous demander en quoi est-ce que votre programme d'études va impacter votre carrière professionnelle. Soit quelle est l'utilité, pourquoi vous partez faire ça, qu'est-ce que ça va vous donner dans l'avenir, quels sont vos futurs plans. Donc à la fin de vos études, qu'est-ce que vous comptez faire? Il faut vous lui donner un plan de carrière qui est assez convaincant. Voilà, ça ce sont les questions obligatoires. Bye. Ce sont les questions obligatoires qui vont poser. Bon, il peut poser une ou plusieurs. Mais ces questions-là sont des questions généralement qui vont être posées. Et c'est des questions généralement où il faut être vraiment pointu. D'accord? Donc, on va résumer en matière de questions. Pourquoi allez-vous aux États-Unis? Pourquoi avez-vous choisi les États-Unis? Pourquoi avez-vous choisi votre école? Pourquoi avez-vous choisi votre programme d'études? Quel est l'impact, n'est-ce pas, de ces études que vous allez faire là sur votre vie future? Et quelles sont les preuves que vous allez revenir dans votre pays une fois que vous avez fini d'étudier? Donc ça, c'est en gros les questions pointues. Ce sont les questions qui menacent vraiment les gens et ils commencent à bégayer. Il faut bien vous préparer. Et croyez-moi, l'interview dure généralement 5 minutes. Hein. 5 minutes, c'est même beaucoup. Donc, mais généralement, c'est 5 minutes. Et en 5 minutes, vous devez être capable, n'est-ce pas, de montrer à l'officier de visa que vous êtes sincère dans votre volonté. Parce qu'il ne suffit pas de vouloir aller étudier là-bas. Il ne suffit pas d'avoir vos documents, mais il faut aussi être convaincant parce qu'il doit juger que bon, celui-ci, c'est un bon candidat pour aller étudier. Donc, il y a quelque chose que je dis souvent aux gens. Tous les pays développés veulent que les gens aillent chez eux. Mais seulement, ils savent qu'ils sont développés et ils savent que les pays moins développés veulent aller là-bas pour apprendre d'eux et pour bénéficier de tous les avantages qu'ils ont. Donc, ce qui fait qu'ils sont assez sélectifs. Donc, faites l'effort d'être le plus honnête possible et faites l'effort d'être le plus convaincant possible et le plus concis. Ils n'ont pas besoin que vous bavardiez beaucoup. Donc répondez de façon spécifique aux questions posées et étayez. Donc, c'est un peu comme en dissertation. Lorsque vous donnez un argument, illustrez cet argument. Et par question, vous pouvez donner deux arguments, trois arguments, c'est très bien. Donc, de toutes les façons, entraînez-vous et sachez que vous avez en moyenne 5 minutes. D'accord?
pardon, à élaborer des bonnes réponses consistantes et courtes. Voilà. Donc, j'espère que je vais m'arrêter là. J'espère que ça va vous aider. Voilà, ça va répondre à vos questions. Ça va répondre à vos inquiétudes. Si vous voulez en savoir plus, là, il faut demander une assistance personnalisée qui est bien sûr payante. D'accord? Ok, donc merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous allez l'aimer. J'espère qu'elle va vous être utile. Quant à moi, si vous avez une question que je peux répondre, n'hésitez pas à la poser. Laissez un commentaire. Et c'est avec beaucoup de plaisir, j'espère que je vais vous répondre. Donc j'espère vous retrouver très prochainement pour une autre vidéo sur cette chaîne. D'ici à là, que Dieu vous bénisse. Portez-vous très très bien. Ciao, ciao.